Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi, et il y a mon cours qui va commencer d'ailleurs, le vendredi 27 novembre. Il est temps de tout trier au niveau des vêtements, dans le dressing, dans l'entrée, dans partout en fait. Donc je vais essayer de trier un maximum de choses, je vais essayer de vous faire ça à des prix vraiment réduits. Là c'est tout ce que je garde, j'ai commencé à trier hier soir parce que sinon j'allais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc là c'est tout ce que je garde. Là c'est pour l'instant tout ce que je vends, donc il y a des pulls etc. que j'aimais beaucoup mais que je ne mets plus. Ah, c'est vraiment le bordel hein, par contre. En fait sur Instagram je vous ai dit que j'allais vous vendre les affaires que j'ai eu des collaborations. Donc c'était genre Shein, Romo etc. qui ne m'allaient pas à 1€ ou 2€. Et en fait les bénéfices de ces ventes là iront directement dans ma société pour pouvoir vous faire des concours. Donc ça va participer au prochain concours qui va arriver prochainement sur ma chaîne. Peut-être qu'il y sera déjà sur Instagram, je ne sais pas. Je vais vous faire gagner une carte cadeau Illicado. J'ai une très belle valeur donc... J'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et donc bref, je vais vous faire un petit code promo comme d'habitude et tout, avec les moins 30%, j'ai tout vous expliquer ça parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires à vendre. Mais avant ça, là, avant de vous parler de tout ça, j'ai un cours, donc je vais vite prendre mon cours, c'est mon cours de maths, on adore. Ça va être encore du chinois. Et j'ai fait mon petit café là avec des petits princes et tout. Ah oui, j'ai changé de disposition, je me suis mise à gauche maintenant. De toute je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Mais là, aujourd'hui, on va dédier ça aux vêtements. Je pense que ça va être très 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 rigolo. Bon, mon cours vient de se terminer. Désolée pour ma tête horrible. Il y a des influenceurs qui s'en foutent totalement. Ils vendent des habits qu'ils ont eu gratuitement ou des choses qu'ils ont eu gratuitement. Et je trouve ça tellement ridicule et illégal en même temps. Moi, je suis pas comme ça, je préfère que les sous vous reviennent vu que c'est pour ma chaîne. Birdie qui boit, ça ne change pas. Donc là j'ai sorti ma petite, mon petit pull panda gumi que j'aime tellement. Il y a des petits pandas et tout. Dis donc Birdie t'avais soif hein. Puis il est actuellement 13h40. Je vais désormais vous montrer un peu ce que j'ai trié hier soir à 1h du matin. Ouais, parce que je me suis dit, vas-y, il y aura tellement de choses. Donc en fait, j'ai trié tout ça. Tout ça, c'était au-dessus de mon dressing. Donc c'était dans des bacs, etc. Donc là, j'ai pu trier un petit peu. Mais il y a pas mal de choses que je garde. Hein, parce que c'est des... Enfin, il y a pas mal de choses qui prennent de la place. Genre des écharpes et tout. Il faut que je trouve une autre solution pour les ranger. Et il y a déjà ce genre de choses. Donc vous avez... une combi short que j'avais acheté où ça elle est trop belle chez New Look, elle est archi belle mais je la mets pas, c'est vient de chez Shein, je l'aime beaucoup ce pull mais en fait je viens de capter que j'en ai déjà un exactement pareil, je l'avais pas vu et en fait j'en ai un exactement pareil et comme je l'ai eu gratuitement je préfère vous vendre celui-ci qui est vraiment super joli, vraiment super doux, enfin vraiment je vous le conseille vivement. Une autre petite combinaison un peu style jean. Il y a des petits hauts à épaules dénudées, il y a des pulls et j'ai des pulls aussi col roulé en crop, donc ça c'est vachement bien, sauf que je ne les ai pas portés, il y a encore l'étiquette. Un autre pull, une robe, vous savez la robe un peu espagnole et tout, je vous disais que je n'aimais pas trop sur moi, vous étiez nombreux à me dire qu'elle m'allait bien, mais moi j'aime pas, donc je vais vous la vendre aussi. Pareil, ça aussi, ça vient de chez Shein ou Ramui, je ne sais plus si j'étais bien à l'aise ou pas dedans, il faudrait que je la réessaye, mais je pense pas. Ensuite, il y a une autre robe, style un peu... Indiana Jones, j'aimais beaucoup mais au final je pense pas que je vais la porter. Un manteau, un long manteau un peu style fourrure et tout, vraiment super joli. Donc voilà pour l'instant, avec un autre pull encore en dessous, voilà pour l'instant ce que je vends. J'ai pas fait encore cette partie là, j'ai pas fait tout ce qui est tiroir et c'est plein à craquer, donc il faut que je me sépare de certains trucs. J'ai mis ça de côté, donc il y a des trucs que j'avais acheté qui sont neufs encore et que j'ai pas mis, donc je me suis dit bon bah il est temps de s'en séparer. Il y a des shorts, il y a des pulls aussi là, d'autres pulls encore, des petits pulls comme ceci. Après j'ai mis des trucs sur les côtés, faut que je réessaye ça.
Après, il y a des pantalons comme ça que j'utilise pour faire les travaux, donc je vais les virer, je vais les mettre ailleurs. Après, j'ai ce genre de pull que j'aime bien aussi mettre de temps en temps, mais juste pour chiller, genre pour rester à la maison. Donc j'ai pas mal vidé, même s'il en reste quand même pas mal, hein. De toute façon, je vais tout ranger après, mais bon, je les aime trop, j'aime trop mes jeans et tout, donc j'ai du mal à m'en séparer, je vous avoue. Donc là, je vais faire cette partie-là. Celle-là va être assez rapide parce que j'avais déjà fait un tri, mais je pense qu'il faut que j'en refasse encore un. Il y a déjà tout ça que j'ai enlevé, donc il y a des t-shirts, etc., des blouses que j'ai jamais mises, donc ça va être aussi à vendre. Tout le boulot que je vais faire sur Vinted pour prendre en photo, ça va être quelque chose. Donc déjà là c'est fait, toute cette partie là en fait elle est faite, et encore je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses. J'ai pas besoin de tout ça, mais en fait il y a des habits, je peux pas m'en séparer parce que c'est valeur vraiment sentimentale. Ça c'était une chemise que j'ai mis à un premier date avec mon chéri, donc voilà, il y a plein de choses que j'aime trop. Après là, tout ça j'ai déjà mis au cours des 6 derniers mois, ça j'aime trop aussi. J'ai déjà mis, genre vous savez, tous les t-shirts comme ça là, tous les trucs lilas et tout, j'ai pas arrêté d'en mettre cet été. Et le reste, bah je ne l'ai pas mis, donc ça je vais le mettre aussi à vendre. Donc on a fini cette partie là du dressing, on va ensuite aller dans l'entrée parce qu'il y a aussi pas mal de choses. Bon, je sais pas si vous verrez, mais là en fait il y a toutes mes vestes, et à côté j'ai mis tout ce qui était chaussures et autres qui ne m'allaient pas, donc ceux que j'ai reçus de chez Chine, j'en ai aussi à côté. Là il y a d'autres affaires, des vestes et tout que je mets souvent, je sais pas si je vais Oh, j'adore ces vestes là. Ah, celle-là, voilà, je voulais vous la vendre. Je l'aime beaucoup, cette veste. Vraiment, c'est une très jolie veste. Sauf que la matière me dérange. C'est un effet un peu suédine. Suédine un peu chelou. Pourtant, je l'adore et tout. Franchement, elle est archi belle. Mais encore une fois, la matière me pose problème. C'est suédine chelou et ça me perturbe. Donc ça, ça va être pour vous. Ensuite, cette partie-là, il y a des vêtements dedans, je crois. Oh, ah ouais, le bordel. Et il y a des chaussures. Vous voyez ce genre de petites chaussures et tout. Je vous le mettrai à 1€. C'est du 40, mais c'est plus pour des gens qui font du taille 39, hein. Pas pour les gens qui font du 40, sinon ça va être beaucoup trop petit pour vous. Voilà, ça c'est trop lourd, je vais le faire hors caméra parce que ça va être une galère. Donc les autres chaussures, c'est celles-ci, qui sont vraiment belles. Encore une fois, c'est que pour les gens qui taillent du 39, parce que moi j'ai pris taille 40 à chaque fois, et ça marche pas pour les gens qui font du taille 40. Donc ça c'est pour une taille 39, elles sont archi belles. Petite holographique et tout, vraiment trop belle. Il y a ces baskets là, elles sont archi mignonnes. Trop belles aussi. 40 encore une fois, donc 39 pour vous. Et le reste des chaussures, c'était ça aussi. Donc pareil, taille 40. Et vraiment trop mignonne. Voilà. Dans un de mes hauls, il y avait une petite robe noire, vous saviez. Et je vous avais dit qu'elle était un peu trop petite. Ça, je vais pas la mettre en vente. Je pense que je vais la donner à ma soeur. Je pense que ça lui ira. Et après, j'ai encore tout ça à trier. Oh, mon dieu. Oh là là. Je sais pas si vous verrez, mais là en dessous j'ai plein de maillots de bain. Je ne pars pas en vacances donc c'est un peu chiant. Mais ouais, je sais plus où est-ce que je les ai eu, à Cupshe je crois. Donc vous aurez aussi des maillots de bain en hiver. Oui Lisa, c'est bien, tu es dans le timing. Désolée pour les travaux. Donc il y en a pas mal que j'ai gardé au cas où. Il y en a 3 que j'ai mis en vente. Donc je les ai jamais portés, hein, vu que je suis jamais partie en vacances. Je les ai jamais portés, donc c'est totalement neuf. Et j'en ai gardé quelques-uns que j'aimais beaucoup. Là, il y a d'autres robes que j'ai mises. Là, c'est des maillots de bain que j'avais achetés à Undies. Ils étaient vachement bien, mais c'est trop petit au niveau du bonnet pour moi maintenant. Donc voilà, pour l'instant, c'est un gros bordel dans le bureau. Là, c'est tout ce que je garde. Faudrait tout que je range. Oh my god. Oh là là, j'arrive même pas à ouvrir les portes.
je sais pas si vous verrez, mais il y a tout ça. Il y a des robes, il y a des manteaux, il y a des pulls et tout. Il y a beaucoup de choses. Mon dieu, je l'ai galéré à prendre tout en photo. Hop, je sais pas si vous voyez, il y a des bacs là. Dedans, il y a des affaires genre de plongée, etc. Mais aussi des sacs. Donc je vais voir ce que je peux vendre aussi en sac. Et en fait, là, tout au-dessus là, vous avez des bacs avec tous les vêtements que je vends. Donc je mets ça dedans en fait. Je mets les robes dans un bac, les jeans dans un bac, les t-shirts dans un bac, etc. Je vais chialer. Mon dieu. En tout cas, c'est tout ce que je garde. Et là, c'est tout ce que je vends. Après, il y a des affaires de plongée là que je vais garder. Là, c'est ce que je garde. Et en fait, j'ai tout vidé les bacs en dessous. Une galère. Mon dieu. Là, j'ai des affaires de ski aussi, tiens. Je viens de capter. Ils sont juste là. Faudrait peut-être que je les vende si ils sont totalement neufs. C'est un carnage. C'est là où tu te dis, putain, t'as vraiment tout ça, quoi. C'est quelque chose que j'ai pas touché depuis le déménagement. Donc là, je suis en train de prendre en photo, donc je l'ai mis sur Géraldine. Géraldine, c'est mon mannequin. Je trouve ça beaucoup plus simple que sur moi, parce que sur moi, je trouve ça rend pas forcément bien. Donc je vais prendre en photo tous les pulls et tout, et de toute façon, ça sera déjà sur Vinted depuis pas mal de temps, je pense, vu qu'on est le 27 novembre. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Vinted, hein, c'est Pandapi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram aussi, parce que c'est là où je vous ai annoncé que je faisais les remises. Je vous ai complètement oublié, il est actuellement 16h12, j'ai quasiment plus de lumière. Et vous faites bugger mon Vinted, genre mon Vinted il bug constamment, c'est fou. Donc il y a plein de non-abonnés qui ont vu mes articles à 1€, donc ils étaient vachement intéressés. Ce qui me fait chier à chaque fois, c'est qu'à chaque fois on me demande de le montrer porté, sauf qu'il y a Géraldine pour ça. Géraldine elle a les mêmes mensurations que moi, c'est exactement pareil. Donc mon mannequin et moi c'est exactement pas, c'est la même chose, vraiment c'est la même chose. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont partir je pense, et je suis super contente. En même temps 1€, 1€ c'est que dalle. Donc contente que ça vous plaise, tous les sauts seront donc pour les concours comme je vous ai dit. Et on continue, j'ai fait actuellement que cette partie là en 2 heures je crois. Et j'ai plus de lumière là, c'est une catastrophe. Mon... Oh là là, j'ai 35 messages en attente sur Vinted. Oh, et c'est toujours les mêmes articles. Oh là là. Oh là là. Bon. Je regarde pas, sinon je vais stresser pour rien. C'est là, tu vois, où je me dis que j'ai vraiment accumulé. J'en peux plus. Si on devait mesurer, enfin, peser tout ce qu'il y a là, je pense que ça fait mon poids. C'est énorme. Énorme. C'est tout ce que j'ai accumulé depuis le collège, depuis 10 ans. C'est fou. Bon, allez, je continue. Il est actuellement 17h08. Alors je sais pas si je vous en ai parlé là dans la vidéo. En gros, pour mes abonnés, donc je fais souvent ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que vous êtes les premiers au courant. Je fais des réductions, des codes promo si vous voulez. Là je vais vous faire aussi un code promo, donc ça va durer 2 ou 3 jours. Sous je vous mettrai les informations en barre d'informations. Et donc en fait je vais vous faire un code promo de 30%. Donc ça sera le code promo ELISA30. Donc c'est tout simple, pour bénéficier de ça, vous allez sur mon compte Vinted, vous faites votre petit shopping, etc. Vous m'envoyez un message en disant « Hey Elisa, je suis abonnée sur ta chaîne YouTube ou Instagram et j'aimerais bénéficier du code promo ELISA30. » Donc je vous appliquerai le code promo directement sur Vinted et après vous pouvez procéder au paiement. Le code promo est cumulable avec la réduction des lots. Ça veut dire que si vous prenez, je crois que c'est 3 articles sur mon Vinted, au bout de 3 articles, vous avez moins 20% déjà sur le lot. Et moi, je vous fais moins 30% supplémentaire sur ce lot. Donc, c'est hyper avantageux. Mais voilà, je fais souvent ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Vinted. C'est Pandapi, c'est le nom de ma chaîne. Voilà, tout simplement. Et sur mon compte Insta, comme ça, je vous parle directement de quand est-ce que je fais les codes promo, etc. Donc, moi, c'est vraiment pas pour me faire de la thune. Enfin, je gagne rien là-dedans, vu que les envois, genre, j'ai acheté des envois exprès. Enfin, je gagne quasiment rien là-dedans. Donc, c'est vraiment pas pour me faire de la thune. C'est surtout pour vous, que vous puissiez vous acheter des vêtements de seconde main. Et en plus, enfin, ils sont quasiment tous neufs, donc comment vous avez ce code promo là, et j'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. De toute façon, je fais dans l'ordre chronologique. Genre, s'il y a quelqu'un qui me demande en premier, bah je vais lui appliquer directement en premier le lot. Enfin voilà, ça se fait vraiment chronologique. Je vous mets tous les formats et après, c'est celui qui achète le plus rapidement qui a le produit. Là, tout à l'heure, vous avez fait crasher mon Vinted. J'ai dû le désinstaller et le réinstaller, ce qui a annulé toutes les réservations. Ça fait un gros bordel. Je suis éclatée. Il fait nuit, donc j'ai commencé à mettre mon anneau lumineux parce qu'il n'y avait plus de lumière. C'est parti, mon kiki. Là, par exemple, ce manteau-là, je l'avais acheté à Jennifer. Il bouloche un petit peu, mais je vais vous le vendre à 1€. C'est un manteau que j'ai acheté 25€. C'est des bons articles qui sont corrects. Il y en a d'autres que je mets, que j'ai mis un peu moins souvent. Je mets autour de 2-3€. Et puis ben, voilà, quoi. Si ça vous intéresse, c'est sûrement Vinted. Thank you.
ce que j'ai pu réussir à vendre aujourd'hui, donc tout ça. Là, je vais faire une petite pause ce soir parce que la lumière ne rend pas très bien. Enfin bref, c'est pas foufou. Et je reprendrai demain parce que là, je suis éclatée, ça m'a épuisée. Même moralement, ça m'a... Pouf. Là, il est que même pas à 18h, on dirait qu'il est 20h. Genre, j'ai dit à mon copain, ouais, j'ai faim et tout, viens, on va manger, il est tard. Il est que 18h, donc c'est un peu... Voilà. Donc là j'ai mis vos commandes dans des sacs comme ça que je reçois à chaque fois avec Shein. C'est super pratique, donc au moins ça vous le protège pendant le transport. Donc je fais ça à chaque fois et après je mets dans des petites boîtes ou soit dans des sacs. Donc voilà comment je fais, il y a eu encore quelques petites commandes qui ont été passées là. Genre il y avait les deux pulls qui sont bien partis, je suis super contente. Désolée pour le bruit de ma machine à laver, je suis en train de faire les commandes, donc nous sommes le lendemain, vous pouvez le voir à ma tête, ça ne s'est toujours pas arrangé. J'ai explosé, mais vraiment explosé. En gros il y a Bichette qui a pissé dans notre lit. Il a chié aussi, genre il s'est dit tiens, si on recommençait à faire des conneries. Donc bon, on avait plus de couettes, on avait plus de draps, on avait plus rien, donc là c'est au lavage. Et donc on a dormi avec des plaids cette nuit, sachant qu'il est très très froid, donc on s'est caillé le cul, on n'était pas bien. Bref, une nuit de merde, je pense que vous pouvez le voir sur ma tête. Donc il y a eu quelques commandes qui sont passées cette nuit. Donc j'ai préparé tout ça, et je vais les envoyer à mon dialogue. Mon dialogue, ils vont me faire la gueule. Oh, quand je vais débarquer avec tout ça, ils vont me dire mais mademoiselle... Là j'ai un colis où je dois aller à la poste, donc je vais faire ça. Après voilà, il y en a plein où j'ai pas eu encore les bordereaux d'envoi. Donc bah ça patiente, ça patiente. Et il y a eu d'autres commandes encore que j'ai pas encore faites. Mais je suis super contente, merci beaucoup. Franchement ça me fait super plaisir. Bon il doit être 15h20, je n'ai plus de batterie. Je viens à l'instant de tout finir, de prendre en photo et tout. Franchement ça m'a pris un temps fou. Mais on a fait énormément de ventes. Franchement je suis trop contente, merci beaucoup beaucoup beaucoup. J'espère que quand vous verrez ce vlog, il y aura d'autres choses qui vont vous intéresser. Donc là il y a une première partie des colis avec Bichette à l'intérieur, MDR Bichette. Donc j'avais plus d'envois normaux, donc j'ai mis tous les habits dans des pochettes en plastique pour protéger le vêtement. Ensuite j'ai mis un sac poubelle plus un autre sac poubelle pour vraiment protéger. Donc si vous voyez ce genre de choses, c'est parce que vraiment j'avais plus de carton ou autre. Sinon j'ai des petites enveloppes, je sais pas si je vous l'avais montré. En gros c'est des enveloppes comme ça, après tu sais tu enlèves le zip et après tu le fermes. Et j'ai acheté des petites étiquettes avec marqué thank you pour mettre dessus, comme ça c'est pas mal, j'ai acheté ça sur AliExpress. Par contre j'ai acheté ça 8€ les 100, mais par contre c'est hyper petit, donc je pense que je vais me recommander des beaucoup plus gros parce que les chaussures, les manteaux, etc. bah ça passe pas dedans, donc c'est pas pratique. Parce que moi j'avais beaucoup de petits cartons comme ça, mais bah y a rien qui rentre, donc j'ai aussi plein de colis dans la voiture. Le problème c'est que je voulais aller à Mondial Relais aujourd'hui, sauf que mon copain bah il a pris le badge, donc je peux pas y aller. Ça m'énerve. Maintenant j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de vide. On peut fermer mes placards désormais. Donc où est-ce que je mettais tout ça, vous allez me dire? Bah tout simplement dans des bacs. Dans les bacs qui se situent au-dessus de mon dressing en fait. Et ça se présente comme ça les bacs. Voilà en fait c'est dedans. Vous avez un bac normal et j'ai mis tous les vêtements dedans et je les ai catégorisés. Soit robe, soit pull, soit machin, etc. Donc c'est catégorisé. Donc en fait ça rentrait bien et donc là maintenant j'ai beaucoup plus de place. Et il y avait aussi des vêtements qui venaient de mon dressing, donc je les ai enlevés. Et il y avait aussi des vêtements qui étaient dans une valise et donc ça je les ai aussi enlevés. Alors je reviens juste sur quelque chose parce que je pense que beaucoup vont me faire la remarque en me disant ouais comment ça se fait que t'aies beaucoup de choses comme ça, c'est pas possible d'accumuler, patati patata, t'as trop d'habits, t'as trop de freins, blablabla blablabla. Merci beaucoup mais j'ai des yeux les enfants hein. Je sais que j'ai beaucoup de choses et c'est pour ça que je fais ce tri là aujourd'hui. Et comme je vous ai dit sur Instagram, je me suis motivée vraiment pour que vous ayez en fait des vêtements à bas prix et que vous puissiez vous faire plaisir, etc. Parce que franchement, si je m'étais écoutée, j'aurais tout pris, tout mis dans un carton, donné à une asso et basta. Je me serais pas fait chier à prendre tout en photo, à faire plein de colis, à dépenser de l'encre, mon temps, mon énergie, etc. J'aurais préféré faire autre chose de mon samedi, par exemple. Mais vous avez été nombreux à me demander voilà, des habits pas très chers et tout, parce que voilà, c'était un peu la dèche, et chose que je comprends, parce que c'est la dèche un peu pour tout le monde. Et donc, pourquoi aussi j'ai beaucoup d'affaires comme ça? Parce que tout simplement, je sais pas si vous le savez sur Instagram, peut-être pas parce que les gens qui disent ça ils savent pas en fait ce qui s'est passé. En fait pendant très 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 longtemps je faisais 40 kg pour 1m70. Je faisais du 34-36, j'étais extrêmement maigre, on va pas se mentir. Plus de maigreur, y a pas. On voyait tous mes os, c'était très très moche. Donc pendant 2 ans, j'étais malade et j'avais ça. En gros, j'avais plein d'affaires 34-36. Puis après, je me suis reprise en main et j'ai commencé à grossir, grossir, grossir. Et j'ai grossi jusqu'à 70 kilos, ce qui était beaucoup trop encore une fois pour moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. C'était à l'époque où j'étais avec mon ex. Bah à l'époque où on m'avait connue un peu sur YouTube, je faisais 65-70 kilos. Donc j'avais pris beaucoup de poids. Donc j'étais plus un 34-36, j'étais un 38-40. Donc je m'étais acheté des habits 38-40. J'ai refait une garde-robe. Fallait des habits à ma taille tout simplement. Donc j'avais et du 34-36 et du 38-40 dans ma garde-robe. Puis ensuite bah, j'ai maigri. Donc là c'est mon poids actuel, 53.
3,54 kg. Enfin, je me pèse pas trop, mais je suis autour d'un 36-38. Chose qui est ma taille que j'aime, c'est comme ça que je m'aime. Et donc, bah, le 40, il ne me va plus. Certains 38 sont beaucoup trop grands pour moi. Le 34-36, c'est plus possible. Moi, je suis entre un 36 et un 38, donc... Voilà, donc toutes les affaires au-dessus de ma taille ou en dessous de ma taille, bah en fait c'est tout ça, tout simplement. C'est tous ces vêtements-là que j'ai accumulés depuis 8-9 ans, sans mentir. Voilà pourquoi j'ai autant de vêtements, j'ai jamais pris le temps de vraiment les trier. Alors j'ai fait plein de brocantes, parce qu'avant il y en avait beaucoup plus, hein. J'ai fait plein de brocantes. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais il y a une raison à cela. Je me justifie absolument pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas qui ont mon âge, 23 ans, et qui font une rétrospection de leur vie, un gros tri de leur vie. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer par là, ou qui sont passés par là. Et je pense qu'au lieu de se critiquer entre nous, on devrait plutôt s'entraider. Et sur Instagram, vous avez été... Mais... incroyable, vraiment incroyable. Je vous ai fait part de quelques critiques qu'on m'a dit, donc celle-ci par exemple, que j'en avais trop, que j'avais des murs extensibles, ça débordait de partout, que où est-ce que je fous ça, etc. Vous avez été nombreux à me dire, mais on est tous passés par là, Elisa, même si on n'est pas tous passés par là, bah on te comprend, c'est bien d'avancer, c'est bien de réaliser les choses, etc. Après on va me poser des questions, genre oui, est-ce que tu vas te racheter d'autres vêtements? Bah oui, parce que j'évolue dans le temps, tout le monde évolue dans le temps, les enfants. Chaque année on a un style vestimentaire différent, on a des pièces à la mode que tu aimes, etc. Genre vous savez, les petits pulls et tout, avec des chemises, bah ça j'adore, donc je m'en suis pris. Enfin voilà, on a tous un style différent et on évolue et c'est normal d'acheter ce qu'on veut. Donc bref, voilà, juste cette petite aparté pour ça, parce que je sens qu'il y aura ça, ce genre de commentaires dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait pas mal de tri, il y a beaucoup plus de place dans mes tiroirs, là ça fait bizarre, il y a plus d'espace, c'est pas tout serré, tu sais, mais il y a quand même encore pas mal de choses, mais c'est des choses que je mets quotidiennement, donc c'est pas des choses qui traînent et qui restent dans mon armoire. Bref, je finis de tout ranger parce que il y a pas mal de choses et je vous montre ça juste après. J'ai un bébé chat qui me surveille. Ça va, Bichette? Bah oui, j'ai commencé à faire le premier tiroir, donc tout est rentré au niveau de mes t-shirts, genre c'est pas serré et tout, genre j'ai de la place pour circuler entre guillemets. Donc j'ai mis mes t-shirts là, ceux que j'utilise un peu moins, enfin que je connais depuis des années ceux-là, et les nouveautés que j'ai beaucoup aimé avec Shein et tout, que j'utilisais beaucoup cet été, là avec l'hiver c'est un peu plus compliqué. Ensuite j'ai rangé mes jeans, donc j'en ai enlevé pas mal des jeans, hein. Donc là tout cela ils se ressemblent pas du tout, c'est pas du tout les mêmes matières, pas du tout les mêmes formes, pas rien du tout. Donc j'en ai un de chaque, donc ça c'est vraiment cool et je pense que j'en ai assez pour les jeans. Et là je suis en train de faire mes pulls que je suis en train de mettre ici, donc j'ai vidé quand même tout ça de cintre, donc c'est vraiment pas mal. Et puis ça, il me surveille, voilà, il me surveille. Je viens de voir que j'ai pu enlever tout ça de ma garde-robe. Alors, attendez, je sais pas si vous voyez, c'est énorme. Je suis trop fière de moi, mais je vais mettre des robes à la place. Ça me fatigue. Mais mes robes, je sais pas où les mettre. Soit je les mets dans mon tiroir, soit je les mets à suspendre là. Bon, je crois que j'ai mis tous les pulls que j'avais, enfin tous les trucs un peu d'hiver. Je pense qu'ils sont tous là. Là, ici dans ce tiroir-là, j'ai mis tout ce qui était trucs de sport et tout. Des t-shirts unis que j'utilise pas tout le temps. Des trucs pour les travaux, genre les tenues pour les travaux. Il reste encore un peu de place là. Sinon, j'ai vidé donc plein de bagues. J'ai mis aussi... tous mes shorts et mes jupes dans un bac. Donc là c'est les shorts et là c'est les jupes, donc comme ça c'est dans des bacs. On a vidé un autre de bac, là c'est pareil, il y a quasiment rien, là c'est des affaires d'été et là tout ça c'est des écharpes, donc je pense qu'il faut que je trie au niveau de mes écharpes, je sais pas, mais il y en a quand même pas mal. En tout cas j'ai bien avancé, je suis super contente. Donc là dedans j'ai mis tous mes trucs d'été avec mes maillots de bain en dessous, donc c'est un peu foutoir, mais je trouve que ça passe. Là dedans j'ai mis tout ce qui est ça va, Bichette? Il me lèche. Je suis morte, il m'a léché le visage. Là, j'ai mis tous mes ponchos et tout. Il est trop bien, il vient de chez 1-2-3. Il est hyper doux, hyper agréable. Ça va. Il me surveille depuis tout à l'heure. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il croit qu'on va déménager encore ou je sais pas. Donc, il surveille. Mais non, t'inquiète, hein, on va pas déménager. Hein, j'espère pas. Hein. Pff, là, ce serait le bordel. Hein. Un peu moins le bordel que la première fois, mais le bordel quand même. C'est n'importe quoi. C'est un foutoir pas possible. Ah oui, j'ai trouvé une place pour le petit trou. Là, j'ai mis mes t-shirts Truffaut. Voilà, pour l'instant, on va dire que ça fera l'affaire. Et donc oui, là-dedans, j'ai mis toutes mes écharpes avec les bonnets et les gants. Et ça, je vais le mettre dans le dressing. Je vais voir comment je vais pouvoir le mettre. Mais vous savez, en dessous des robes et tout. Comme ça, quand je veux partir de la maison, bah, je choisis mon écharpe et basta, quoi. Bon, il va être bientôt 20h. Je pense que je vais arrêter bah, la vidéo maintenant. Je vous montrerai dans ce vlog bah, le résultat final, comment j'ai rangé...
combien il y a de bacs en moins, mais il y en a beaucoup des bacs en moins, c'est fou, je suis super contente. Je pense que je vais finir ça d'ici quelques jours, je vais prendre mon temps pour bien ranger, pour bien organiser, etc. Demain je travaille 10h-20h, lundi c'est 8h-21h, donc j'ai que mardi pour décompresser un petit peu, donc je vous montre le résultat juste maintenant. Bon, je vais vous montrer ce que dressing donne. Donc la partie de gauche du dressing, c'est celle de mon copain, et moi j'ai la partie de droite. Donc ça j'ai tout rangé. Après je pense que je vais enlever ces deux pulls là que je ne mets plus, je pense. Je vais les mettre sur Vinted. Mais sinon voilà ce que ça donne au niveau des pulls, enfin tout ce que je mets d'habitude. Au-dessus c'est hyper épuré. Avant il y avait 15 milliards de bacs, ça tombait et tout. Là il n'y a que deux bacs. Donc là vous avez... Oui, j'ai toujours le même petit pull panda. Là vous avez tous mes shorts. Là vous avez toutes mes jupes. Tu montes tes culottes, ah ouais. Là au-dessus c'est tout ce qui est d'été. Et là c'était tout ce qui est poncho. Ensuite, là nous avons tous les t-shirts, donc ça je vous les ai montrés. Nous avons tous les pantalons. Et nous avons les pulls, j'ai rajouté les ceintures et tout. Bichette il me fait la gueule, ça va Bichette? Non, on déménage toujours pas, hein, t'inquiète. Donc j'ai mis tous les pulls et tout, enfin, en fait ces genres de t-shirts je les mets en dessous de mes pulls, comme ça j'ai un peu plus chaud. Birdie qui est jalouse, voilà. Non prince, mais fatigue. Donc déjà voilà, ça fait vachement de vide, enfin je pense que, enfin c'est bizarre, c'est pas assez rempli pour moi là, genre c'est, il n'y a pas grand chose tu vois. Donc je suis super contente. Ensuite vous reconnaissez la lumière orange dégueulasse. Là bah il y a toutes mes robes et tout, j'avais tout bien rangé. Et là il y a tous mes manteaux qui sont hyper bien rangés. Là, il y a tous les vêtements en vente qui sont au-dessus dans des bacs, qui sont bien protégés et tout. Franchement, je suis super contente. Donc, les prochains tris rangements, ça sera donc la chambre. Parce que là, on a juste fait le dressing du bureau. On n'a pas fait la chambre et tout le bordel. Hein. Il y a tous les make-up, tous les soins, tout à trier encore. N'hésitez pas à liker ou me dire ça en commentaire si vous voulez que je vous filme cet autre énorme tri. Je sens qu'on va s'amuser. Si ça vous intéresse pas, je le ferai hors caméra, je le ferai toute seule de mon côté. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de tri à faire. Mais j'en avais déjà fait un auparavant. Il va pas être aussi énorme que ça, hein, je pense pas. Je pense que ça va faire un dixième de tout ce que j'ai en vêtements. Parce que l'avantage des soins, etc., c'est que ça se finit en fait. Ça s'utilise, ça se finit. Alors qu'un vêtement, ça s'utilise, mais ça ne se finit jamais. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.